Et décidément, rien ne va plus dans ce royaume où l'élite est étouffée et réprimée par le merzen dans la capitale Rabat. Des centaines d'étudiants en médecine ont été victimes de répression à coups de matraque. Ces étudiants ont manifesté sur la marginalisation qu'ils subissent depuis des années, surtout s'agissant de la politique sournoise de recrutement. Ces manifestants remontés à bloc par la politique de répression agressive et dénigrante annoncent qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter là, au lieu de suivre. La grogne sociale au Maroc prend de nouvelles dimensions. Après les franges les plus vulnérables de la société, cette fois-ci, c'est au tour de ces étudiants d'exprimer leur désarroi devant la mauvaise gestion qui gangrène le Marzen. Ce mercredi, ils étaient plusieurs centaines d'étudiants marocains à battre le pavé dans les rues de Rabat pour manifester leur colère contre le Marzen. Une énième manifestation qui intervient dans le cadre d'un large mouvement de protestation contre ce régime et exprimer leur indignation de voir leur doléance rester lettre morte. Face aux cris de détresse de la rue, les forces du Marzen ont recouru comme de coutume à la force pour disperser les manifestants. 15 étudiants ont même été arrêtés. أن السلطات منعت الأطباء الغد ومنعتنا احنا من حضور الاعتصام اللي هو تيجي احتجاج على تماطل الوزارة طلبة حطوا إشعار يعني أن وليداتنا ما كيديروا حتى شي حاجة ضد القانون إذا بالطلبة كيتفاجئوا بواحد تطويق أمني لا نظير له بحال راه جايين هادو مرتزقة بحال جايين ما عرفاش شنو غيديروا. Les manifestants ne comptent pas baisser les bras en programmant d'autres manifestations lundi prochain. Cette fois, ils espèrent faire monter la pression d'un cran en mettant le cap sur le palais royal pour exprimer leur ras-le-bol et faire entendre leur voix à un roi qui semble avoir perdu la voix de la raison devant tout ce qui se passe au Marzen.